Ou alors prod, tout cramé. Aujourd'hui c'est un grand jour, un jour très 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 important. Alors je suis venu avec Martine, hein, un petit peu obligé. Salut les amis, c'est Martine. Je roule bungalow et plus encore. Alors ouais, j'étais avec mon mari Jojo pour l'accouchement. Ah bah il fallait que je sois là. Eh oui, c'est dans mon ventre qu'il y a la petite crapule, le futur marmot. Alors bon, on va en aller comme ça à la clinique, à la clinique. Alors il y avait une gentille sage-femme avec des petites couettes. Elle disait, posez madame, posez madame. Et alors je disais, ah, oh, ah. Oh. Elle me disait, non, faut pas faire comme un organe, faut juste faire, ah. Et moi, je disais, ah, ah. Et alors mon mari Jojo, il a été très compatissant, il m'a dit, prends mon bras, tu peux même me griffer, fais-toi plaisir, ça enlèvera un peu ta douleur. Ah, il a été aux petits oignons. Ouais, alors il a été nickel. Alors pendant ce temps, je faisais des ah, 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 ah. Ouais, alors tout d'un coup, ça a fait comme quand tu vas à sel et qu'enfin ça sort. Alors, ah, ouais, le truc il est sorti. Apparemment, il y avait les papates qui sortaient, ils ont fait hup, hup, hup. Ils ont sorti le truc, le petit marmot. Ils me l'ont présenté à la gueule, on aurait dit un gremlins, mais son style, quoi. Il avait, ouais, il était mal torché du cul, était, on aurait dit, ouais, il était un peu. Et ouais, Jojo, il a fait, ouais, t'as pas tort, ouais, t'inquiète, ils vont le nettoyer, ils vont le faire nickel, hein. Alors bon, ils ont pris le petit marmot, ouais, ils l'ont amené un petit peu ailleurs, ils ont fait la douchette, le shampoing, la totale. Alors ils nous ramènent le bébé, le petit marmot, hein, ouais, c'était marmot, c'était un garçon, marmotte, hein, sinon. Alors bon, ouais, ils nous ramènent le marmot, mais il a une tête de, on dirait un camé, on dirait un camé, il a l'air. Non, je vous dis, madame, on dirait un camé. Vous êtes sûr que vous l'avez pas échangé, un Jojo? Ouais, là, on dirait, hein. Je sais pas, il leur donne peut-être, je sais pas, du whisky dans les biberons, c'est normal, hein. Ah, ça, c'est agité, faut les endormir, hein. Mais non, t'es bête. Non, ils ont dû l'échanger, regarde ça, on dirait. Il a une face de torchon. De torchon. Je sais pas où il est le cul, où il est la tête. Regarde, on regarde tout le tour, on voit pas la différence. À part d'un côté ça fait et d'un côté ça fait pfff. Hein? En plus il pète beaucoup. Non, alors ça l'arrêtait de toi, Jojo. Qu'est-ce que tu dis? Pfff, tire mon doigt? Ah ouais, ah, bah c'est vrai. Ah bah justement, t'es à propos. Ah bah oui. Et là, la sage-femme elle fait non, mais c'est votre petite merveille, votre créature de Dieu, votre bénédiction des 9 mois. J'espère que vous avez caressé son joli ventre, prenant soin de son vagin par des biais détournés pour faire crac, crac, crac. Et elle fait, ah oh, que c'est, oui, hein, on n'a pas arrêté, hein. Ah, ouais, on a fait des petites choses, hein, c'est des choses qui se font. Hein. Et à ce moment-là, et alors là, la sage-femme, elle m'approche, ouais, elle m'approche le petit marmot, ouais, elle m'approche à peu près, hein, pour me faire regarder cette merveille. Et ouais, il sentait pas bon, on aurait dit, oh, on aurait dit les égouts de Mortecouille. Et encore, ils sentent pas bon, les égouts de Mortecouille, c'est pas des égouts normaux. Ouais, alors il sentait pas bon, je lui fais, oh, ouais, écartez-moi ce marmot, oh, vous êtes sûr qu'il est sorti de mon truc, mon voisin? Non, vous avez dû l'échanger. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous n'avez pas un laboratoire expérimental? Vous faites des expériences avec des chiens? Il a un petit peu, il fait ouf, 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 ouf. Non, non, je veux pas. Allez changer. Je vous donne 20 euros. Non, c'est pas de la corruption. Non, non, je vous avais dû vous tromper, madame. Hein, Jojo? Bah, je sais pas, il te ressemble un peu, hein. Regarde. Ah non, t'es méchant, Jojo. Il me ressemble pas. On dirait un rat d'égout. Il est mal brossé. Il a 2, 3 cheveux. On dirait des poils de cul sur la tête. En plus, il sent le cul. Alors que je me demande si. Ah ouais. Peut-être j'ai poussé trop fort, c'est sorti par le cul. Et le vrai, il va sortir après. J'espère. Ah ouais.
Ah, je vois, c'est possible, ça arrive. Ah ben peut-être, des fois c'est déjà arrivé, hein. Boum, boum. Ah, les jumeaux, peut-être qu'il y en a qui sortent par le cul, hein, par la chatte. Je sais pas. Je suis pas connaisseur, hein. Madame, sans sage-femme. Non, ah, on a entendu un truc bizarre. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand même, le clic-crac, pas possible, pas possible. Et alors là, je fais à l'infirmière, oh non, plus ils sont les égouts, reprenez-le. Il a fait, non, je me couette. Très très bon, petit labeur, bon labeur, petit pain. Oh non, ils sont pas bons, il est où le cul, il est où la tête, dites-moi, hein, vous, même vous savez pas. Non, non, t'insistes, que si, t'insistes, ah, ars. Ah non! Ah, ouais, mais parce que vous avez l'habitude. Hein? Non, c'est un torchon, reprenez-le. Jojo, fais quelque chose. Ben, je sais pas, on peut peut-être leur fourguer, hein. Ouais, ça sent. Mais oui, hein. Mais ouais, on peut leur fourguer, peut-être. Ah non! Ouais, je sais pas, on verra.